Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un logiciel dont j'ai fait l'acquisition, que je vous présente aujourd'hui, donc pour avoir en fait augmenté le nombre de fans sur vos pages Facebook. Alors, ce sont des vrais fans, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer en fait, ou même on va dire utiliser un logiciel qui va vous faire avoir des likes sur vos posts, etc. Voilà, parce que ça, c'est pas des likes en fait ou de personnes qui ont vraiment un réel intérêt à suivre vos posts. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment le mieux, c'est d'avoir vraiment des likes et vraiment des personnes qui vous suivent parce que vous leur donnez du contenu intéressant à voir. Et justement, c'est pour cette raison qu'ils vous suivent et likent justement votre page et suivent l'actualité de ce que vous mettez tous les jours. Voilà. Donc, ce petit logiciel-là. Donc, vous avez aussi une méthode bien gratuite en fait, hein, parce qu'au lieu d'utiliser ce logiciel-là, vous pouvez le faire manuellement vous-même. Mais bon, ça prendrait plus de temps. Là, on va dire que vous gagnez énormément de temps. Donc, c'est grâce à ce logiciel. Il coûte que 37 $ en fait, hein, vous le payez qu'une seule fois. Et pour les fonctionnalités qu'il offre, honnêtement, c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Alors, si vous faites l'acquisition de ce logiciel, juste entre parenthèses, je vous enverrai la vidéo de configuration afin que vous puissiez configurer ce site-là qui est un logiciel américain. Et je vous expliquerai dans cette vidéo aussi les fonctionnalités, les autres fonctionnalités qu'il offre, notamment sur YouTube, des recherches, etc., Twitter, tout ça. Donc voilà, vous avez juste à m'envoyer un message pour me dire que vous avez fait l'acquisition de ce logiciel et que vous souhaitez obtenir la vidéo de démonstration. Voilà. Donc ça, je ferme la parenthèse. Donc maintenant, on va voir ensemble donc des fonctionnalités de justement comment obtenir un maximum de j'aime sur ces posts. Donc tout simplement, les amis, vous allez vous inscrivez déjà sur certains groupes Facebook. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer en fait. Voilà, vous pouvez adhérer à plusieurs groupes Facebook qui parlent de votre thématique. Donc voilà, là ici, moi je suis membre en fait, donc vais vous montrer ça, alors, de plusieurs groupes Facebook, donc, voilà, par le Street Workout, voilà, donc voilà, ici, voilà, je suis membre d'un groupe ici, 5656, ici, donc membre aussi, groupe. Là, les amis, les groupes, c'est le moyen le plus efficace à l'heure actuelle pour cibler de nouvelles personnes gratuitement. Là, vous avez la possibilité vraiment de poster soit un post par jour. En plus de ça, grâce à ce logiciel, vous pouvez le faire. En fait, vous mettez un post et ça va le faire sur tous les groupes. C'est-à-dire que même vous en avez 10, vous en avez 15, vous en avez 20, eh bien, vous faites un post et c'est posté sur tous les groupes où vous êtes membre, tout simplement. Après, il y a certains groupes qui demandent modération par l'administrateur. Donc, faites attention à ce que vous postez aussi. Ne postez pas de la publicité forcée, en fait, hein, parce que vous allez vous faire bannir, parce que certains groupes possèdent des règles, en fait, de fonctionnement et qu'il faut lire avant de vous adhérer. Donc, là, l'occurrence, j'ai un groupe, voilà, 39 000 personnes. Donc, 39 000 membres. Donc, si vous postez quelque chose là, vous avez des chances, voilà, d'attirer l'attention déjà de beaucoup de personnes qui puissent voir votre poste et aussi ben, le contenu que vous leur proposez. Même une redirection, vous pouvez mettre un lien et rediriger vers votre site. Vous voyez? Donc, si le produit que vous proposez les intéresse. Voilà. Donc, maintenant, comment ça fonctionne avec ce logiciel? Alors, là, on est dans la partie administration. Alors, tout simplement, ici, vous mettez poste. Donc, là, ce qu'il y a à faire, c'est mettre poste. Je veux poster dans les groupes. Je sélectionne mon image. Voilà, donc, vous sélectionnez votre image. Ici, vous mettez votre texte. D'accord. Là, vous pouvez aussi mettre un lien, qui est une option. Et là, les amis, voilà, vous pouvez faire des groupes de catégories. Voilà, ici, c'est-à-dire que là, vous voyez, si je clique ici, ben, je poste dans 11 groupes.
Là, je les ai filtrés, en fait, si vous voyez. Donc, le street workout, j'ai mis deux groupes, mais vraiment les plus gros groupes. Donc, là, il y en a à 60 000 ou, voilà, 10, il y en a même à 100 000 membres. Donc, voilà. Là, en l'occurrence, si je clique dessus, voilà, j'ai juste à faire ça, bim, télécharger l'image, mettre mon texte, mettre un lien éventuellement. Bon, moi, je le mets la plupart du temps, je le mets ici. Et après, cliquez ici sur nos délais. Et vous postez. Vous verrez qu'ensuite, voilà, vous aurez juste à poster, tout simplement. Il n'y a rien à faire. Vous avez qu'à attendre, en fait. Et après, vous pouvez voir l'historique, en fait, des posts. C'est ça qui est bien. Donc là, alors ici, voilà. Là, je vous ai montré la fonctionnalité pour poster dans les groupes Facebook. Après, vous voir l'historique. Vous pouvez mettre, voilà, des groupes. Et, alors, les groupes de catégorie. Non, c'est ici, groupe de catégorie. Catégorie. Voilà. Ajouter des groupes. OK. Faites tac. Vous pouvez sélectionner. Voilà, tous les groupes. Vous pouvez sélectionner. Il y en a, vous pouvez être membre de plein, 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 plein de groupes. Donc, vous pouvez y aller, hein, honnêtement. Allez, vous vous en mettez. Voilà, dans un seul, vous sélectionnez 30 groupes, par exemple. Voilà, 30 groupes, bim, vous postez tout. Sur les 30 groupes. Vous imaginez si par exemple les groupes, voilà, même s'il y en a 10 000, eh ben, vous prenez que des groupes 10 000, eh ben, ça vous fait 300 000. Hein. Donc vous avez une grande portée en fait. Hein. Ça, c'est vraiment une façon gratuite en fait de faire de la publicité. D'attirer un maximum de monde sur votre page, sur votre site, justement pour que les gens aiment ce que vous faites et vous suivent. Allez, donc vous pouvez faire la promotion de votre page, bien entendu, sur ces groupes-là. C'est pas interdit, vous pouvez le faire. Vous proposez vos services, etc. Les gens sont intéressés. Donc voilà. Voilà les amis. Donc maintenant, il y a une autre fonctionnalité aussi qui est bien. Donc quand vous allez poster des articles, des choses comme ça, alors ce qu'il y a de bien, poster du contenu qui attire l'attention, qui marche en fait déjà sur Facebook, qui en fait déjà le buzz sur des pages Facebook, etc. Alors ce qui est bien, c'est que si vous faites ça, ça va attirer en fait déjà des personnes qui vont aimer ce que vous faites, c'est-à-dire qu'ils vont aimer le post que vous allez mettre, mais par curiosité vont partager, ils vont aussi cliquer sur le lien que vous proposez. Donc ça soit vous rediriger vers votre page, soit vous rediriger vers votre site tout simplement. Alors pour cela, on a Page Finder. Alors je vais vous montrer. Donc Street Worker. Je vous donne un exemple. Donc là, voilà, j'ai entré un mot-clé. Ensemble. Donc, il va me sortir des pages. J'espère qu'il va aller un petit peu plus vite. Donc, en fait, ça vous sort. Ça va vous sortir toutes les pages par ordre de fans, en fait. C'est-à-dire que les pages qui ont le plus de fans. Donc là, par exemple, voilà, si vous tapez Street Workout, ben c'est la page, celle-ci, c'est celle qui marche le plus sur Facebook. D'accord? Sur ce mot-clé-là. Donc 293 000, 279 000, et ainsi de suite, après vous descendez. Vous voyez? Et pour ça, et vous pouvez analyser toutes les pages. Donc voilà, moi ce que je fais, j'analyse la page, voilà tout simplement. Je vais voir les photos qui ont le plus liké sur cette page. Et je peux voir carrément les photos qui ont eu le plus de likes. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment des informations intéressantes en fait. Hein. Donc là, regardez, c'est une photo qui a fait le buzz sur cette page-là. Avec 4815 likes. C'est énorme. Ce que vous pouvez faire, vous, tout simplement, je vous donne une astuce. C'est que vous pouvez la reposter sur un groupe en mettant votre lien, ou même sur votre, vous pouvez
la poster déjà sur votre page, mais vous pouvez la poster sur les groupes. Sur les groupes déjà, parce que là, c'est un groupe, c'est une page du moins qui a déjà 120 000 membres en fait. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a 4815 likes, parce que c'est en fonction des fans qui suivent cette page, bien entendu. Mais si vous aussi vous voulez avoir autant de likes, il faut que vous alliez, faut aller les chercher. Donc, pour aller les chercher, il faut que vous les postiez. Par exemple, là, vous cliquez sur poster et bim, sur les groupes. Voilà. Là, vous allez mettre sur 11 groupes, par exemple. Allez, c'est parti. Vous mettez votre texte, vous mettez votre lien de votre page, etc., pour faire connaître votre page. Les gens, par curiosité, parce que cette photo a été likée, donc vous commentez aussi, il y aura certains échanges, mais au moins vous allez divertir les gens avec des images, voyez, donc des contenus intéressants. Et là, justement, par curiosité, ben, les gens vont aller sur votre page, sur liker, et vont vous suivre. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Et là, vous allez avoir des personnes qui vont suivre vos contenus, parce que ça, vous allez poster aussi, bien entendu, sur votre page. C'est important aussi de poster sur sa page. Alors là, si vous avez sélectionné, vous pouvez sélectionner la page, sélectionner par exemple la page, hop là, bim. Contenu qui marche très bien, donc voilà, vous sélectionnez la date, vous pouvez programmer. C'est facile, hein, les amis, hein, vous pouvez programmer, donc voilà, je vous conseille de le faire. Après, vous mettez Shodan, voilà, tout simplement. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et bien entendu, ben, si vous faites l'acquisition de ce logiciel, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai en fait la vidéo de configuration gratuite et je vous montrerai encore plus des fonctionnalités en fait qu'il y a et je vous donnerai même des petites astuces en fait justement pour que vous puissiez augmenter le nombre de fans sur vos pages ou même augmenter le nombre de personnes qui visitent votre site ou avoir du trafic. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt.